Bonjour à tous et à toutes. Bonjour mes frères et sœurs dans le Seigneur. Je crois qu'il y a beaucoup d'écho. Encore un autre dimanche où nous sommes réunis dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous a accordé... Je me sens un peu à côté. Ouais. Pour le louer, pour le psalmodier, pour lui rendre toute la gloire qui lui est due. Nous saluons aussi ceux qui nous suivent à distance et nous souhaitons vivement qu'à un moment donné, ils pourront participer pleinement en présentiel avec nous dans ce temps de louange à notre Seigneur Jésus-Christ. Pour nous diriger tout de suite dans sa présence, on va faire la lecture dans le psaume 1er, psaume qui nous place sous la bénédiction d'être des fidèles personnes, des fidèles serviteurs qui écoutent et obéissent à la parole. Psaume 1er, je vais lire pour vous dans la version Louis II. Psaume 1er. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Parole de l'Éternel. Merci Seigneur de ce que tu nous conduis dans tes voies et que tu nous gardes dans tes voies. Nous sommes comme des arbres plantés près des courants d'eau. Des arbres plantés près des courants d'eau n'ont pas beaucoup d'efforts à faire pour porter du fruit. Car la parole de Dieu, par le Saint-Esprit, nous fera porter du fruit si nous sommes obéissants. Amen. Ce matin, nous allons faire un peu, il y a des choses un peu spéciales. Comme depuis dimanche dernier, nous sommes dans un processus de la rentrée. Alors, dans notre rentrée progressive, aujourd'hui, nous allons inviter notre responsable de l'école du dimanche, Dominique, à nous conduire, à nous parler de comment ça va se faire, ça va se dérouler pour cette année. Vous savez, nous avons beaucoup d'enfants et comme Dieu nous permet, après tout ce qui s'est passé, nous les avons chez nous, dans notre maison, dans la maison du Seigneur. Vas-y, cher Dominique. Bon dimanche, tout le monde. Ce matin, c'est un matin où on est heureux, l'équipe d'école du dimanche, parce que c'est la rentrée. Hein? Même si on a continué toute l'année, c'est notre rentrée officielle. Mais avant, je voulais prendre le temps de remercier tous ceux et celles qui, cet été, ont servi à l'école du dimanche pour donner un repos à l'équipe de Monitrice. Merci. Ça a été grandement apprécié, votre service auprès des enfants. Et je voulais aussi prendre le temps de remercier toutes celles qui sont encore impliquées après tant d'années, les nouvelles qui s'impliquent dans l'équipe cette année, d'être là fidèlement chaque dimanche pour enseigner aux enfants. Et je voulais juste commencer en lisant le verset, le psaume 78, le début qui dit « Mon peuple, écoute mon enseignement, sois attentif à ce que je vais dire. Je dirai des leçons en parabole, j'évoquerai les secrets du passé. Nous avons entendu et nous savons ce que nos pères nous ont raconté. Nous n'allons pas le cacher à nos fils. Nous redirons à tous ceux qui nous suivent les œuvres glorieuses de l'Éternel et sa puissance et ses nombreux prodiges. Il a fixé une règle en Jacob, établi une loi en Israël. Il a ordonné à nos ancêtres d'enseigner tout cela à leurs enfants,
afin que la génération suivante, celle des enfants qui viendront à naître, puisse l'apprendre et se lève à son tour pour l'enseigner à ses propres enfants, afin qu'ils placent leur confiance en Dieu, qu'ils n'oublient pas les hauts faits du Dieu fort et qu'ils observent ses commandements. Ce matin, c'est un cœur rempli de reconnaissance à Dieu qu'on a de le remercier, qui nous permette de poursuivre génération après génération l'enseignement à nos enfants. Et ma prière, c'est que Dieu prenne toute la place en haut à l'école du dimanche, qu'il prenne la place dans nos cœurs à nous, l'équipe qui travaille auprès des enfants, qui prennent la place dans le cœur de nos enfants, de nos adolescents, afin qu'à leur tour, ils enseignent à la prochaine génération la grandeur et la gloire de notre Dieu. Gardez-nous en prière cette année, gardez nos enfants en prière, qu'ils puissent être cette génération-là qui vont se lever au nom du Seigneur Jésus-Christ et proclamer ses hauts faits. Paul-André, est-ce que je peux te demander de prier pour notre année, pour l'école du dimanche, pour nos enfants. C'est avec plaisir. Alors que nous allons prier, nous vous demandons dans votre cœur de prier aussi pour ces enfants qui auront à passer beaucoup de temps avec les moniteurs, mais surtout pour les moniteurs et monitrices, car vous savez que l'ennemi aussi tourne autour d'eux parce qu'ils sont en train de former les cœurs de ces enfants-là pour les garder loin de toute l'attraction du mal. Et priez pour eux, pas seulement en ce moment, mais priez constamment pour l'école du dimanche, pour les moniteurs et pour les enfants. Bon, étant notre Père Céleste, nous sommes contents, Seigneur, de ce que tu es notre Dieu, ce Dieu tout-puissant, ce Dieu que rien ne peut arrêter dans ses projets. Merci de ce que nous t'avons prié à ce que cette église soit remplie d'enfants et tu nous as bénis, Seigneur. Merci de ce que ces enfants, Seigneur, que tu nous as donnés, tu as mis aussi à cœur des moniteurs, des monitrices, qui veulent, Seigneur, se mettre à ton service pour les enseigner ta parole. Cette parole que nous venons de lire et qui ne cesse de nous étonner par sa richesse, par sa profondeur, par sa grandeur, Seigneur. Cette parole que tu nous as donnée afin de nous conduire selon tes voies, Seigneur. Père Saint, merci de ce que tu as déjà fait provision pour cette année et que ces enfants, Seigneur, tu sauras comment les garder, les conduire, les amener jusqu'à bon port, Seigneur. Bon Père, merci pour nos moniteurs et monitrices qui se sont donnés à cœur joie, Seigneur, pour te servir dans ce ministère, Seigneur. Puisses-tu aussi, Seigneur, que l'Église les garde en prière et que nous, les responsables, Seigneur, puissions les accompagner, les équiper, afin qu'ensemble, Seigneur, nous pouvons dire, bon serviteur, nous avons travaillé pour toi dans la fidélité, Seigneur. Père Saint, merci déjà pour les grandes choses que tu vas accomplir à travers nos moniteurs, nos monitrices, et ce que tu vas accomplir dans le cœur de nos enfants. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous t'en prions ainsi. Amen. Merci. Nous allons continuer à louer le nom du Seigneur d'une autre façon qu'il nous a donnée aussi, c'est par la louange et par les chants. Et je vous encourage à chanter à gorge déployée parce qu'il y a vraiment une bénédiction à chanter les louanges du Seigneur. Chanter déjà, c'est une bénédiction. Chanter les louanges du Seigneur, c'est une bénédiction double. Et on dit que chanter, c'est prier deux fois. Donc je vous invite, j'invite l'équipe de louange à prendre place et je vous invite surtout à la grande chorale à chanter pour louer le nom du Seigneur.
invite à vous mettre debout. Chantèrent ce cantique à l'Éternel. Ils dirent : Je chanterai à l'Éternel car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu, je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père, je l'exalterai. L'Éternel est un vaillant guerrier. L'Éternel est son nom. Chante alléluia.
tu es Dieu, au-dessus de la terre, tu établis ton trône dans les cieux. Psaume 62, des versets 6 à 9, nous dit « Oui, mon âme, confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. Et c'est lui qui est mon rocher et mon salut, ma haute retraite, je ne chancellerai pas. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire, le rocher de ma force, mon refuge est en Dieu. En tout temps, peuple, confiez-vous en lui. » Répandez vos cœurs en sa présence. Dieu est notre refuge. Louange à la gloire.
À l'agneau, l'agneau qui est sur le trône, à la droite de son Père, comme nous l'avions entendu dimanche dernier, il est à la droite de son Père en position d'autorité. Dans l'Apocalypse 4, il y a toute cette scène de l'agneau intronisé sur le trône à côté de son Père, c'est merveilleux à lire. Et ça nous rassure de savoir qu'il est en position d'autorité, qu'il intercède pour nous d'une façon permanente. Pas d'une façon ponctuelle, comme certains pensent, mais en permanence. Nous allons procéder aux annonces, mais juste avant, nous allons prier pour l'école du dimanche afin que nos enfants puissent monter et recevoir leurs instructions respectives. Prions le Seigneur. Bon, étant de Père Céleste, merci encore une fois de nous avoir donné cette possibilité, Seigneur, de te louer, de te bénir. Et merci surtout de pouvoir servir ces enfants, Seigneur, qui demain deviendront des hommes et des femmes de Dieu pour toi, Seigneur. Te servant, te louant. Et Père, nous savons que tu as un plan parfait pour chacun d'eux. Bon, Père Céleste, nous te prions aussi de mettre ton esprit en chaque moniteur et monitrice qui auront à enseigner ces enfants, Seigneur, que tout ce qu'ils auront à dire soit vraiment ta parole et seulement ta parole. Père, merci déjà pour tout ce que tu fais pour cette école, ces enfants. Merci pour tout ce que tu fais pour ces moniteurs et merci pour ce que tu fais pour cette église. Que ton nom soit loué, que ton nom soit béni. Amen. Nous allons inviter notre prédicateur, notre frère Amar, qui va nous apporter le message. Comme on a annoncé dernièrement, nous sommes dans une série, les épîtres pastorales, des épîtres qui sont vraiment la base de comment l'Église fonctionne, comment le chrétien lui-même, il s'articule dans sa foi. Et ce sera un plaisir pour nous de prendre le temps d'écouter cet enseignement qui ne viendra pas de lui, car nous sommes sûrs que le Seigneur va l'utiliser seulement comme un instrument, comme un canal pour nous enseigner. Et que cet enseignement puisse être une nourriture pour nous, non seulement pour aujourd'hui, mais pour la vie, et que le Saint-Esprit fasse fructifier ce que nous aurons à entendre de la part de notre frère. Alors nous allons prendre le temps de prier juste avant qu'il commence à prêcher. Bon étant de Père Céleste, encore une fois, nous voici devant toi, Père. Certainement, à qui irions-nous si ce n'est qu'à toi, Père? Tu as été pour nous un rocher et un abri. Tu es celui, le roc sur qui nous pouvons nous appuyer, Père. Ô bon Père Céleste, ce matin, nous voulons te prier pour notre Église, Seigneur. Cette Église que tu as bâtie et que tu as déjà déclaré que les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle, Seigneur. Cette Église que tu as bâtie au travers de ta chair et de ton sang. Cette Église que tu nous as placée pour te servir et que nous savons que, Seigneur, ton plan, la victoire est déjà acquise pour cette Église. Ce matin, Père, nous voulons aussi te prier pour ce pays où nous nous trouvons, Seigneur.
Ô Père Saint, nous voulons te prier pour ceux qui nous dirigent, donne-leur la sagesse et l'intelligence, Seigneur. Que les décisions qu'ils prennent, Seigneur, soient des décisions calquées sur tes voies, Seigneur. Père Saint, nous te prions pour notre province aussi, qui très bientôt aura à faire le choix de son leader, Seigneur. Puisses-tu, Seigneur, garder la pensée de chacun de nous, Seigneur, et que nos choix soient faits non seulement par nos propres désirs, nos besoins personnels, mais en vue, Seigneur, de l'ensemble de ce peuple, Seigneur. Père Saint, aussi, nous te prions pour notre quartier, Seigneur, que tu nous as placé, que nous puissions être vraiment une lumière comme l'Église doit être, Seigneur. Que les gens trouvent un refuge dans cette Église, que les gens trouvent la paix dans cette Église, Seigneur. Nous te prions pas seulement pour le quartier, mais pour les membres de cette Église, Seigneur. Car nous savons que l'Église n'est pas seulement un lieu où nous nous rassemblons physiquement, mais un lieu où nous communiquons, Seigneur. Un lieu de communion, un lieu où nous sommes dans ta présence, Père Saint. Oh, puisses-tu chaque jour nous rappeler de cela, Seigneur. Et que quand nous rentrons ici et que nous formons cette Église, car nous savons que chacun de nous est une pierre vivante qui forme cette Église. Garde-nous, Seigneur, garde-nous en paix, garde-nous dans la joie, pas une joie conditionnelle à ce que le monde extérieur nous impose ou nous propose, mais plutôt une joie qui vient de ta parole, une joie qui vient de ton Saint-Esprit, une joie qui vient de toi, une joie qui vient de ton Père, une joie éternelle. Inconditionnel. Père Saint, nous allons écouter ta parole et déjà, Seigneur, nous te demandons de disposer notre cœur, de disposer notre esprit afin que ta lumière puisse y pénétrer et y demeure en nous, Seigneur. Et que cette lumière, Seigneur, jaillisse autour de nous, parmi ceux que nous fréquentons, Seigneur, qu'ils puissent trouver en nous le reflet de toi, Seigneur. Père, nous te demandons tout cela, non pas parce que nous sommes bons ni dignes, mais c'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous t'en prions ainsi. Amen. Alors nous invitons notre frère Djabala à nous. C'est ouvert? Alors, magnifique bonjour à tous et à tous. J'ai une paire de lunettes ici que je ne voudrais pas du tout abîmer et que je voudrais... Voilà, merci bien. Le thème central de l'épître de Paul à Timothée, ce qui a été annoncé dans la lettre de nouvelles, c'est que l'apôtre Paul dit à Timothée, je t'ai laissé à Éphèse pour continuer l'enseignement que Paul a donné. Cet enseignement, c'est apprendre comment se conduire ou se comporter dans la maison de Dieu. La maison de Dieu qui est l'église du Dieu vivant, et qui est l'appui, la défense, le fondement, les traductions sont un peu différentes, de la vérité. L'expression « l'Église du Dieu vivant » est très intéressante parce qu'on ne trouve pas beaucoup l'expression « Dieu vivant » dans le Nouveau Testament,
mais on la trouve dans un autre passage qui parle de l'Église, celui de Matthieu 16, où le Seigneur Jésus-Christ dit à la confession de Pierre, vous vous rappelez dans ce beau passage, où Pierre confesse que Jésus-Christ est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et en réponse à cette confession, Jésus-Christ lui dit, tu es Pierre, et sur ce rocher, qui vraisemblablement désigne la confession de Pierre lui-même, où Pierre, reconnaissant, confessant le Seigneur Jésus-Christ comme Messie et Fils de Dieu, je bâtirai mon Église, et les forces de la mort, l'expression est les portes du séjour des morts, littéralement, mais ça parle des forces de la mort, de la puissance de la mort, ne résisteront pas devant elles, n'auront pas de force devant l'Église que le Seigneur va bâtir. Donc l'Église sera une puissance inexorable, puisque c'est le Seigneur lui-même qui la bâtira, et l'ennemi ultime de Dieu et des hommes, qui est la mort, on ne peut pas aller au-delà de la mort, eh bien, l'ennemi ultime de Dieu et de son peuple ne résistera pas, ne pourra pas tenir devant l'Église. L'un des grands artisans que le Seigneur Jésus a utilisé, après Pierre lui-même, qui a ouvert l'Église, si vous voulez, aux Juifs dans Acte 2, puis aux Samaritains, puis aux païens, ça a été l'apôtre Paul. Et il a consacré littéralement sa vie, après sa conversion, il a rencontré le Seigneur ressuscité au début des années 30, quelque temps après la résurrection du Seigneur, et il y a eu une conversion absolument radicale, totale, très très difficile de trouver dans toute l'histoire de l'Église, une conversion, volte-face aussi totale, aussi radicale que celui de Saul, le rabbin, le pharisien, celui qui cherchait à détruire l'Église, comme il l'a dit lui-même, et qui devient un serviteur à 100%, adonné à 100%, consacré à bâtir l'Église du Seigneur. Il le dit lui-même, c'est quelque chose dont il ne s'est jamais, dans un certain sens, relevé. Il dit, j'ai voulu détruire l'Église de Dieu. Quel péché, quelle honte, quelle violence. Et le Seigneur m'a pardonné. Le Seigneur m'a fait grâce. Et dans un certain sens, il se donne un petit peu comme exemple ultime en disant aux gens, si Dieu m'a pardonné, il n'y a personne qui est au-delà du pardon de Dieu. Et donc c'est ce Paul qui a voulu détruire l'Église de Dieu qui fait la théologie de l'Église par la suite, n'est-ce pas? Et qui nous la présente dans sa forme à la fois la plus fondationnelle, la plus glorieuse, la plus pratique, la plus pragmatique, la plus doctrinale. Et dans ces lettres qu'on appelle les lettres pastorales, 1 de Timothée et l'épître à Tite, et qu'on pourrait mieux appeler les épîtres ecclésiastiques, les épîtres qui concernent l'Église. L'apôtre Paul, donc, en parle, et il parle de la manière de tenir vivante cette construction que le Seigneur Jésus-Christ a bâtie. Alors, comme notre frère l'a dit tout à l'heure, il ne s'agit pas d'un bâtiment, il ne s'agit pas d'un lieu. Le bâtiment est très, très, très pratique, très intéressant, parce qu'il nous permet d'être l'Église. Il nous permet de nous rencontrer comme l'Église du Seigneur. Le bâtiment par lui-même serait un bâtiment comme tous les autres. L'Église, ce sont les hommes et les femmes que le Seigneur a appelés à lui et qu'il transforme et qu'il constitue en un corps, son corps, nous dit le texte, comme son épouse, comme son peuple, et dans lesquels il travaille, comme dans un corps, comme dans une communauté, comme dans une famille, comme dans une maison. Le mot « église » que nous avons retenu du grec veut dire l'assemblée, les frères et les sœurs qui se rassemblent, qui se mettent ensemble donc pour apprendre, pour grandir, pour se frotter les uns aux autres, et donc pour pouvoir mieux adorer Dieu, le glorifier et mieux être sanctifié par le Seigneur Jésus. Alors, de cette église, comme je l'ai dit tout à l'heure, il en parle dans 1 Timothée, mais c'est très intéressant, il faudrait remonter un peu avant de comprendre, pour mieux comprendre ce qu'il dit dans 1 Timothée. 1 Timothée,
est une lettre qui est rédigée vers la fin du ministère de Paul, à des églises ou des communautés dans la ville d'Éphèse, que l'apôtre lui-même a fondée peut-être une douzaine d'années auparavant. Et donc, quand on arrive à la rédaction, à l'envoi de ces textes, l'apôtre Paul est vers la fin de sa vie et il regarde en arrière, il considère ce qui a été fait et il apporte des solutions à des problèmes nouveaux, à des problèmes qui ont surgi à la deuxième génération un petit peu de l'Église. Je dirais, on n'est pas loin de la situation du Québec aujourd'hui. Beaucoup d'églises ont commencé entre 30 et 40 ans. Il y avait quelques églises plus anciennes ici au Québec, mais la grande majorité des églises sont venues à l'existence autour des années 80. Et là, on entre dans la deuxième génération. Les anciens leaders vieillissent ou sont rappelés par le Seigneur progressivement les uns après les autres. Et là, donc, c'est vraiment une deuxième génération avec des problèmes nouveaux, avec des défis nouveaux, avec des possibilités de servir nouvelles, des problèmes que l'Église première n'a pas connus, mais aussi, si vous voulez, des possibilités d'un un climat de dynamisme. Peut-être que cette église qui existait avant et que les églises contemporaines connaissent un peu moins. Donc l'apôtre Paul a fondé cette église d'Éphèse. Avant de lire 1 Timothée, je voudrais vous lire quelques versets du livre des Actes qui représentent certaines des dernières paroles que l'apôtre a prononcées quand il est parti au début des années 50, quand il a fondé l'Église, il y a passé presque 3 ans, entre 2 ans et demi et 3 ans, et finalement il devait partir, il devait continuer son ministère ailleurs et rentrer à Jérusalem, ce qu'il a fait. Et avant de le faire, il appelle les anciens dans une petite ville, pas loin d'Éphèse, une petite ville, un port qui s'appelle Milet, et il laisse ce témoignage aux anciens d'Éphèse, aux anciens de l'église d'Éphèse. Actes chapitre 20, les versets 17 et suivants. De Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'église, et lorsqu'ils furent arrivés auprès de lui, il leur dit : Vous savez bien. Vous, comment je me suis comporté avec vous tout le temps, depuis le premier jour quand j'ai mis les pieds en Asie. L'Asie, c'est la province où se trouve Éphèse. J'ai servi le Seigneur comme un esclave, en toute humilité, avec les larmes au milieu des épreuves que me valaient les complots des Juifs. Les croyants juifs, évidemment, ne voulaient pas qu'ils prêchent l'Évangile et lui ont tendu beaucoup d'embûches. Et il se retrouvait même en prison. Sans rien dissimuler, je vous ai annoncé et enseigné tout ce qui était utile, publiquement, comme dans les maisons, adjurant juifs et grecs, de se convertir, de changer radicalement, en se tournant vers Dieu et de mettre leur foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est le message fondamental que Paul a annoncé, de se convertir, de se détourner de ses péchés et de se tourner vers la foi en Jésus, le Messie et le Seigneur. Mais il dit, maintenant, je suis lié par le Saint-Esprit et je vais à Jérusalem sans savoir ce qui m'arrivera, sinon que, d'après ce que le Saint-Esprit m'atteste de ville en ville, des liens et des détresses m'y attendent. Pourtant, je ne fais aucun cas de ma propre vie, comme si elle m'était chère, pourvu que je mène à bonne fin ma course et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, rendre témoignage à la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Il est très, très difficile de résumer plus succinctement le message de l'Évangile, rendre témoignage à la grâce que Dieu manifeste dans le Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est le message que Paul a annoncé. Je vais sauter quelques versets. Donc, il dit qu'il leur a proclamer le règne totalement,
Et c'est pour ça qu'il dit, je l'atteste aujourd'hui, je suis pur de votre sang à tous, car je vous ai annoncé tout ce que Dieu a décidé, c'est l'expression traditionnelle, le dessein de Dieu, la volonté de Dieu, sans rien en dissimuler. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau parmi lequel l'Esprit Saint vous a nommé, ancien épiscope, surveillant. Faites paître l'Église de Dieu, cette Église qu'il s'est acquise par son propre sang. Caractère précieux de l'Église ne peut pas être, si vous voulez, énoncé plus clairement. C'est l'Église que le Seigneur Jésus, l'apôtre Paul, l'appelle Dieu ici, et il dit qu'il s'est acquis cette Église au prix de sa mort, donc par son propre sang. Je sais bien, moi, qu'après mon départ, s'introduiront parmi vous des loups féroces qui n'épargneront pas le troupeau et que d'entre vous-mêmes se lèveront des hommes qui diront des choses perverses pour entraîner les disciples à leur suite. Veillez donc en vous souvenant que pendant 3 ans, jour et nuit, je n'ai cessé dans les larmes d'avertir chacun d'entre vous. Et maintenant, je vous confie à Dieu et à la parole de sa grâce qui a la puissance de bâtir et d'assurer un héritage parmi tous ceux qui sont consacrés. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Vous le savez vous-même, ce sont ces mains-là qui ont pourvu à mes besoins et à ceux de mes compagnons. En tout, je vous l'ai montré, c'est en travaillant ainsi qu'il faut venir en aide aux faibles, en se rappelant les paroles du Seigneur Jésus qu'il a dites lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Alors ce sont ces paroles, avec ces paroles que Paul donc laisse ses anciens, et une douzaine d'années après, ce qu'il a dit s'est tout à fait avéré, il a été maltraité, il a été mis en prison. Finalement, il sera amené à Rome comme prisonnier et il passera 2 ans dans la prison romaine sur de fausses accusations. On l'a accusé de dire des choses contre César, on l'a accusé d'atteindre à la paix sociale. Évidemment, ce sont des accusations qui ne sont pas du tout vraies. Mais à cause de cela, il passera 2 ans dans une prison romaine. Cela est raconté dans le livre des Actes. La prison n'était pas trop dure. Il pouvait continuer à prêcher, à recevoir des gens, à annoncer l'évangile. Et donc, c'est après cette période de 2 ans en prison, donc après l'année 62, si vous voulez avoir des repères un peu chronologiques, peut-être 1 an, 2 ans après, en tout cas entre 63 et 64, qu'il va revenir à Éphèse avec Timothée. Timothée, c'est son disciple le plus fidèle, celui qu'il a connu quand il était très très jeune et qu'il a suivi dans plusieurs de ses missions, qu'il a accompagné dans plusieurs des mandats que Paul a reçus. Et dans un certain sens, Timothée, qui va suivre la voie de Paul, il va se retrouver en prison lui aussi. Si on sert l'évangile, si on prêche l'évangile, eh bien, il y a un coût à payer. Et le livre, l'Épître aux Hébreux, nous apprend que Timothée a été mis en prison à cause de sa proclamation de l'évangile. Mais là, Paul sort de prison, il revient à Éphèse, et donc souligne à nouveau, remet la fondation de la parole de Dieu, corrige les hérésies. On parle très peu d'hérésies aujourd'hui, ça n'est pas à la mode. Pourtant, ce sont les hérésies qui sont mortelles. Ce sont les hérésies qui, en viciant la vérité qui est enseignée, qui provoquent la mort spirituelle des hommes et des femmes qui veulent se consacrer au Christ. Et à un certain moment, il est obligé de partir. Probablement parce qu'il y a des besoins dans d'autres églises, en Macédoine. Et là, il a son fidèle ami, collaborateur, Timothée, et il lui dit, tu vas rester à Éphèse et tu vas continuer l'enseignement que j'ai donné. Et il lui envoie cette lettre. Vous voyez, la lettre est envoyée à Timothée, mais elle concerne toute l'église. Et je trouve qu'elle nous concerne aujourd'hui. C'est vraiment une situation qui est assez parallèle à l'église au Québec aujourd'hui. Et on devrait écouter avec les applications, nous ne sommes pas à Éphèse dans les années 60 aujourd'hui, nous sommes au Québec en 2022,
hein, dans une situation culturelle, sociale, très, très différente, mais les enseignements demeurent. Et les applications de ces enseignements peuvent faire à l'Église aujourd'hui le plus grand bien. Comme je dis, l'objectif des écrits de Paul est énoncé en 3, les versets 14 et suivants. « Je t'écris cela avec l'espoir de venir bientôt, mais si je tarde, tu sauras ainsi comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. » Voilà l'objectif, si vous voulez, que Paul a en tête quand il envoie cette lettre à Tite et aux communautés d'Éphèse. Alors nous allons maintenant revenir au début, puisque l'apôtre Paul a écrit une lettre, et si nous voulons la comprendre adéquatement, il faut commencer par le début, par le commencement, et puis suivre le reste dans l'ordre. Donc je vais lire les 11 premiers versets. « Paul, apôtre de Jésus-Christ par ordre de Dieu, notre Sauveur, et de Jésus-Christ, notre espérance, à Timothée, mon enfant véritable, mon enfant authentique, j'ai presque envie de traduire mon enfant vrai, comme on dit aujourd'hui, hein, ce n'est pas du toc. Hein, c'est son enfant qui a montré qu'il s'attachait à lui, qu'il souffrait avec lui, qui suivait les mêmes directives du Seigneur que lui, et donc c'est son enfant vrai, hein, authentique, véritable, comme le disent d'autres traductions. Son enfant véritable dans la foi, son enfant véritable dans la vie de foi, la vie de relation avec le Seigneur Jésus. Et puis il y a la formule que l'apôtre Paul utilise dans ses lettres. Il ne faut pas penser que les salutations, c'est un petit peu, vous savez, l'emballage du cadeau qu'il faut juste enlever et jeter pour aller directement au cadeau lui-même. Les salutations sont vraiment réfléchies. C'est l'apôtre qui a construit ces salutations, on ne les trouve pas avant lui. Et il veut communiquer quelque chose de très, très significatif, de très réel à ses lecteurs. Et quand on voit un changement qu'il introduit lui-même dans certaines de ses lettres, eh bien, il faut être d'autant plus attentif au changement qu'il introduit. Alors, en général, quand l'apôtre Paul écrit, il dit « grâce et paix ». Si vous prenez à peu près toutes ses lettres, il y a une autre, quelques exceptions ici ou là. En général, c'est « la grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu, du Seigneur Jésus-Christ ». Et cette formule, encore une fois, n'existait pas avant. C'est quelque chose que Paul construit, et il a construit de façon, si vous voulez, très très attentive, de façon très très réfléchie. Le mot pour grâce en grec se dit charis, et c'est une adaptation de la salutation grecque commune qui existait à l'époque. À son époque, comme on disait aujourd'hui, salut, bonjour, les Grecs disaient chairein. Et Paul a dit, chairein, ouais, c'est intéressant, mais ce n'est pas suffisant. Non, je préfère dire charis. Je préfère leur dire la grâce. Vous voyez, le fondement de notre relation à Dieu, c'est la grâce de Dieu qui est manifestée en Jésus-Christ. C'est le fondement, on n'a pas d'autre fondement. Si Dieu n'avait pas été un Dieu de grâce, nous n'aurions eu aucune relation à Dieu parce que nous aurions été sous son juste jugement et nous aurions subi son courroux et son châtiment. La réalité est que Dieu est un Dieu de grâce. Elle a été évoquée récemment. La grâce, c'est à la fois une disposition de Dieu et un agir de Dieu. La grâce, c'est Dieu qui est bien disposé, qui est disposé favorablement. Le mot grâce, parfois, est traduit par faveur, et par faveur qui n'est pas méritée. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui va au-delà de ce que les personnes méritent. Mais pas simplement une disposition, parce qu'on pourrait avoir des dispositions qui ne se manifestent pas autrement, qui ne s'actualisent pas dans des actes, dans des actions. La grâce, c'est aussi un agir de Dieu. Dieu a une disposition favorable et puis il agit selon cette disposition favorable. Donc il vient rencontrer les pécheurs là où ils sont et il vient agir
non selon ce qu'il mérite, selon la justice, alors qu'il aurait eu tout le droit de le faire. Dieu aurait pu simplement agir avec justice et demeurer le Dieu juste. Il n'y aurait eu aucun affront à la justice ou à la personne ou à l'intégrité de Dieu. Mais Dieu dit non, si j'agis simplement avec justice, eh ben, l'humanité sera sous mon châtiment et sous mon courroux pour toute l'éternité. Et donc je vais agir avec grâce, c'est-à-dire je vais avoir une disposition à leur égard qu'ils ne méritent pas et je vais poser des gestes, des actions qu'ils ne méritent pas. De là, si vous voulez, toute l'histoire de la rédemption dans l'Ancien Testament, la révélation, l'envoi des prophètes, la prêtrise, les symboles qu'ils donnent dans les sacrifices qui symbolisent ce qu'on offre à Dieu pour que Dieu accueille favorablement ceux et celles qui offrent ces sacrifices. Et suprêmement, c'est Dieu lui-même qui vient dans la personne de Jésus. C'est l'incarnation, c'est Dieu, non seulement parmi nous, mais c'est Dieu en nous. C'est Dieu, si vous voulez, comme nous. L'Épître aux Hébreux rappelle que Jésus-Christ est devenu comme nous en toutes choses, à l'exception du péché. Évidemment, il ne pouvait pas devenir un pécheur parce que ça l'aurait empêché d'accomplir le mandat que Dieu lui a confié. S'il avait été pécheur, il n'aurait pas pu être notre rédempteur et notre sauveur. Mais voyez là, cette grâce de Dieu, comment le Dieu éternel devient sa créature. Il est absolument impossible pour nous de le comprendre. Donc on peut formuler des choses, on peut dire des paroles, mais comprendre comment le Créateur éternel devient une créature est une simplement impossibilité, si vous voulez, de comprendre une vérité aussi à la fois éblouissante, aussi transcendante, aussi extraordinaire, mais elle manifeste réellement la grâce de Dieu. D'accord ? Pensons en termes humains. La séparation des classes, qui existait avant, qui existe un peu moins, se traduit par des séparations physiques. Et c'est très très rare que les puissants, les rois, les reines, les princes, etc., se mêlent de la populace. Quand le prince ou le roi ou la reine allait parmi les foules, c'est extraordinaire. Hein, quand les empereurs ou les rois allaient visiter des provinces, il fallait rendre la ville aussi belle que possible, il fallait mettre ses plus beaux habits, parce que le roi vient parmi nous et il faut l'élever, hein, il faut le glorifier. Qu'un roi puisse simplement aller être parmi les autres, ce n'est pas ça qui se faisait. Même quand les rois venaient parmi les populations, ils restaient très très séparés. César ou le gouverneur voyageaient dans des constructions, si vous voulez, très très élevées, et on pouvait voir qui était véritablement le chef et qui était le peuple. Mais ce n'est pas ce que Dieu fait. Et ça, c'est la manifestation de la grâce de Dieu en disant « Je viens parmi vous, je viens pour être comme vous ». Ça ne s'arrête pas là. Parce que celles et ceux qui mettent leur foi en Christ, en Dieu par le Christ et dans le Christ, ils sont intégrés à son corps et ils reçoivent le Saint-Esprit. Imaginez. Vous savez, ce sont des vérités élémentaires, mais on n'y pense pas. Et quand on y pense de façon superficielle. Et on n'est pas pénétré par la profondeur et la grandeur de ces vérités. Imaginez le Dieu éternel qui habite dans des êtres humains. Et des êtres humains pécheurs, des êtres humains rebelles, des êtres humains souvent je m'en foutiste en fait, qui s'opposent à Dieu et qui s'opposent au dessein de Dieu. Et Dieu dit, je viens habiter en vous et je viens vous diriger et je viens susciter un amour pour Dieu et un amour pour les frères et sœurs de l'intérieur de vous-même. Vous voyez, quand l'apôtre Paul dit que la grâce soit avec vous, c'est tout cela qu'il a en vue. Il résume toutes ces vérités, il résume toutes ces actions que Dieu pose, il résume cette nouvelle attitude de Dieu à notre égard par le mot grâce. Et effectivement, le mot grâce est tout à fait capable de résumer cela. Et puis il ajoute dans ses lettres, comme ici,
non seulement la grâce, mais la paix. Alors ça, c'est vraiment c'est un mot qu'il prend de la tradition juive. C'est le shalom, tant dans l'Ancien Testament que dans la période de Paul et même aujourd'hui. La salutation normale des Juifs est shalom, la paix. Donc l'apôtre Paul l'utilise, mais il lui donne une profondeur extraordinaire. Maintenant que nous avons reçu le salut de la part de Dieu, maintenant que nous avons été réconciliés avec Dieu, et Dieu s'est réconcilié à nous, ben nous avons le véritable shalom. C'est-à-dire que nous ne sommes plus en guerre avec Dieu, et Dieu n'est plus en guerre avec nous. Dieu ne nous tient plus aux stricts critères de sa justice, mais Dieu ouvre son cœur, il ouvre ses bras, il marche avec nous et il veut nous construire, nous bâtir à la stature parfaite de son fils Jésus-Christ. Et donc avec Dieu, Romains 8, quand il fait un grand développement sur l'histoire du péché et de la rédemption, il arrive au chapitre 8 et il dit « Maintenant, ayant été justifiés, nous avons la paix avec Dieu. Nous avons le shalom avec Dieu. Nous ne sommes plus en guerre avec Dieu. » Est-ce que vous êtes toujours en guerre avec Dieu? Est-ce que quand ça marche mal, quand il y a des difficultés, c'est le poing qui se lève? Est-ce que Dieu, pourquoi tu me fais ça? Est-ce que c'est un rejet, une ignorance totale de Dieu? Ou est-ce qu'il y a vraiment ce sentiment de la paix que Dieu donne dans les cœurs de ceux et celles qui lui appartiennent? Ayant été justifiés par le Christ, nous avons la paix avec Dieu. Et donc l'apôtre Paul le rappelle dans chacune de ses lettres qu'il écrit, dans les salutations, rappelez-vous leur dit-il, toujours dans cet ordre incidemment, jamais la paix avant la grâce, toujours la grâce qui vient d'abord, à l'évidence, c'est comme ça que les choses devraient être. La grâce vient d'abord et puis la paix suit. Nous avons la grâce avec Dieu et puis nous avons la paix. Si nous avons la paix avec Dieu, nous avons la paix avec nous-mêmes. La caractéristique, je dirais, contemporaine des êtres humains, de l'homme social, surtout dans l'Occident, c'est d'être divisé. Divisé contre lui-même et d'être en guerre contre lui-même. C'est pour ça que les psychologues, les psychiatres, les psychanalystes s'enrichent à gogo parce qu'ils veulent aider les gens à retrouver la paix interne. En général, ça prend des années, et puis ça ne donne pas beaucoup de résultats. Voilà. Mais les hommes sont divisés, les hommes, les femmes, sont constamment divisés, constamment en guerre contre eux-mêmes, et ça peut aller jusqu'au suicide, ça peut aller jusqu'à la destruction de soi-même, ça peut aller jusqu'à la violence qui est exercée contre soi-même. La solution, c'est être l'objet de la grâce de Dieu, de trouver la paix avec Dieu, et la paix avec soi-même suit. Et si la paix avec soi-même suit la paix avec Dieu, ben la paix avec les autres. Les autres ne sont plus des ennemis, les autres ne sont plus des empêcheurs d'avoir la joie et d'avoir le bonheur, les autres deviennent... Très intéressant, enfin, quand on réfléchit au langage, on dit très spontanément les autres. Et la Bible n'utilise jamais les autres pour parler des autres. Elle parle du prochain. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, pas tu aimeras l'autre. Et vous voyez, la perspective est différente. Quand c'est mon prochain, ben, j'ai une responsabilité à l'égard de lui, à l'égard d'elle. Quand c'est mon prochain, il n'est pas mon ennemi. Il n'est pas celui qui empêche mon bonheur et ma croissance. Et donc, l'apôtre Paul le rappelle. La solution, et pour les chrétiens et les chrétiennes, pour les croyants et les croyantes, c'est de manifester la grâce de Dieu aux autres pour qu'ils puissent la connaître et que la paix s'en suive. Mais ici, et seulement ici, et dans l'épître à Tite, c'est assez intéressant, il ne faut pas que je me trompe, c'est bien... puisque pas à Tite, mais dans la deuxième à Timothée, seulement dans ces deux lettres, pas à Tite, donc... La mémoire m'a joué un tour. Donc, l'apôtre Paul ajoute un troisième terme. Il ne dit pas simplement la grâce et la paix, mais entre la grâce et la paix, il insère un autre terme
qu'on peut traduire par la miséricorde ou bien la compassion. On peut dire, bon, c'est quand même pas très loin de la grâce. Compassion, c'est agir à l'égard des autres de façon favorable, de façon qu'ils ne méritent pas. Et c'est vrai, mais il y a quand même une petite touche différente. Quand on dit grâce, quand on dit miséricorde, il y a la touche personnelle. C'est derrière le mot, en tout cas, ce que les Juifs auraient conçu dans leur tête quand ils voient le terme, c'est l'idée de l'intervention personnelle, l'intervention presque interne, existentielle de Dieu lui-même. Ce n'est pas simplement une grâce, si vous voulez, qu'il manifeste de façon générale, ce qui est absolument extraordinaire, mais c'est comme si Dieu intervient personnellement, à dimension d'affectivité, à dimension de presque d'émotion personnelle. Il y a une traduction qui parle des entrailles de Dieu. Si vous lisez certaines des traductions littérales anciennes, il y a certains qui parlent des entrailles de Dieu. Les entrailles de Dieu, d'abord, c'est une image féminine, ce qui nous donne une indication de notre Dieu, hein, d'un Dieu qui aime, d'un Dieu qui entre dans des relations tout à fait personnelles. Et c'est très personnel. Dieu intervient personnellement à l'égard de ceux et celles donc, qu'il aime, qu'il favorise, qui sont les siens en Jésus-Christ. Et donc ici, l'apôtre Paul, de façon très intéressante, je pense que c'est son sentiment d'amour personnel vis-à-vis de Timothée. Timothée a été avec lui pendant très longtemps, il l'a connu probablement à son premier voyage missionnaire, et il l'a accompagné tellement de fois, il a souffert, il a été proche de lui, et c'est comme si, lui écrivant, il estime que grâce et paix doivent encore être complétées par un terme. Et je trouve très intéressant, encore une fois, que nous, comme Église, puisque nous lisons cette épître qui s'adresse à nous, nous sommes l'objet à la fois de la grâce et de la paix de Dieu, mais aussi de sa compassion. Peut-être qu'un mot pourrait rendre, en français, pourrait rendre cela, les tendresses de Dieu. D'accord ? Les tendresses de Dieu à l'égard de ceux et celles qu'il aime, comme l'apôtre Paul utilise cette expression vis-à-vis de son fils dans la foi. Alors avant, si vous voulez d'étudier bien cette épître, il faut qu'on se remette devant cette introduction de Paul. C'est le Dieu qui va s'adresser à nous dans les versets, dans les chapitres, dans les passages qui suivent, ben c'est le Dieu qui a montré sa grâce, qui a montré sa compassion et qui a fait naître la paix parmi ceux et celles qui lui appartiennent. Et donc ce n'est pas à des personnes neutres, ce n'est pas à des personnes étrangères qu'il écrit, c'est à ces personnes qui ont été radicalement transformées et qui ont une relation complètement nouvelle à son égard. Et donc, quand il y a un langage parfois qui semble être sévère, qui est un langage d'avertissement, il faut se rappeler qui le dit. Ce n'est pas un Dieu sévère, méchant, punisseur, vengeur, hein, qui veut nous empêcher d'être heureux. C'est le Dieu de la compassion, de la miséricorde, c'est le Dieu de la grâce et c'est le Dieu de la paix. Alors là, on peut entrer donc dans les versets brièvement, ça a pris beaucoup de temps, mais c'était bien de poser ce fondement, je pense. L'apôtre Paul écrit « Comme je t'y ai encouragé en partant pour la Macédoine, demeure à Éphèse afin d'enjoindre à quelques-uns de ne pas propager d'autres enseignements. » De faux enseignements, quelque chose qui va se clarifier tout de suite. Et de ne pas s'attacher à des fables ni à des généalogies sans fin qui favorisent les dialogues, les débats, la parlotte, pourrait-on dire aujourd'hui, plutôt que l'intendance de Dieu, l'économie de Dieu qui s'exerce dans la foi. Le but de cette injonction, c'est l'amour qui vient, l'amour, la charité, pensez au terme agapé. Quand vous pensez toujours, le mot amour en français, malheureusement aujourd'hui, très galvaudé, c'est un de ces mots qui peut passer tout à fait à côté, à côté de notre tête, et on n'y réfléchit pas beaucoup. Mais pensez au mot grec, juste agapé, ça nous permet et ça nous force peut-être à y réfléchir un peu plus. Le but de cette injonction, c'est l'agapé qui vient d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère ou sans hypocrisie.
Quelques-uns, étant passés à côté de tout cela, ont dévié vers des discours futiles, vides. Ils veulent être des maîtres de la loi et ils ne comprennent pas ce qu'ils disent, pas même ce qu'ils affirment avec assurance. Nous savons bien que la loi est bonne, pourvu qu'on en fasse un usage légitime. Sachant que la loi n'est pas faite pour le juste, mais pour les sans-loi et les insoumis, les impies et les pécheurs, les sacrilèges et les profanateurs, les patricides et les matricides et les meurtriers, les gens qui se livrent à l'inconduite sexuelle, les hommes qui couchent avec des hommes, les trafiquants d'esclaves, les menteurs, les parjures et tout ce qui peut encore s'opposer à l'enseignement saint. D'après la bonne nouvelle de la gloire du Dieu bienheureux, bonne nouvelle qui m'a été confiée. Puis je vais sauter sur quelques versets que l'apôtre introduit, mais qui ne concerne pas son développement, pour aller vers la fin, parce que là, il va reprendre un petit peu sa pensée. Il dit au verset 18, « L'injonction, donc le même mot qui vient d'être utilisé, que je te confie, Timothée, mon enfant, selon les messages prophétiques énoncés précédemment à ton intention, c'est que t'appuyant sur eux, tu mènes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. » Cette conscience, quelques-uns l'ont répudiée et ont ainsi fait naufrage en ce qui concerne la foi. Hyménée et Alexandre sont de ce nombre. Je les ai livrés au Satan afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. C'est assez intéressant parce que nous sommes élevés au ciel dans la présence de Dieu lui-même. Et malheureusement, quand on ne répond pas avec foi à ce que Dieu fait et à ce qu'il ordonne, eh bien, nous pouvons être du nombre de ceux qui sont influencés et influencés par Satan lui-même. Alors, simplement quelques paroles, je pense, qui sont au centre de ces considérations pour nous. Le premier mandat de Timothée que Paul a laissé à Éphèse, c'est de redresser l'enseignement. Très intéressant, hein? Qu'est-ce qu'on aurait fait, nous, aujourd'hui, dans certaines églises, dans notre église, ailleurs, s'il y a des problèmes? Intervention sociale, relations d'aide, repas ensemble pour fraterniser, tout ça n'est pas nécessairement mauvais. Mais ce n'est pas là que ça se passe, essentiellement. Ce n'est pas le centre, ce n'est pas le fondement. Ce n'est pas là que, si vous voulez, la déviation... s'est passé. Et je pense qu'il y a un enseignement très très précieux pour nous aujourd'hui de revenir à la centralité ou de maintenir la centralité de la parole de Dieu et de l'accentuer encore plus. L'apôtre Paul dit à Timothée, je t'ai laissé là-bas, et c'est vraisemblablement ce que Paul lui-même faisait avant son départ pour la Macédoine, et il dit, il faut que tu interviennes au niveau des enseignements et que tu empêches les faux enseignants de continuer à propager leurs mensonges, à propager des mensonges, des contre-vérités, qui peuvent plaire aux gens, bien sûr, mais qui sont contre l'Évangile, qui sont contre la bonne nouvelle qui donne la vie. Paul le dit... Il dit ces enseignements, enfin, il semble avoir eu vraiment une influence néfaste. Et c'est assez extraordinaire de penser qu'une église qui a été fondée par Paul, qui a été enseignée par Paul, qui pendant deux ans et demi, plus de deux ans et demi, après 10-12 ans, qu'elle s'effondre doctrinalement. Mais ça montre la puissance du mensonge. Quand le mensonge remplace la vérité, si vous voulez, il peut y avoir vraiment des effondrements. Et donc, le correctif, c'est de revenir à la vérité. Et à la vérité biblique, pas à la vérité que nous inventons, que les gourous peuvent nous dire, la vérité de la parole de Dieu. Ces vérités, dit Paul, qui ont tellement influencé les gens, sont des discours futiles. Il dit, c'est vide. C'est des gens qui racontent n'importe quoi. C'est des gens qui sont pris dans des généalogies, dans des fables, dans des légendes, et qui pourtant arrivent à influencer
leurs auditeurs. Nous savons par l'histoire, nous connaissons par l'histoire que ce genre de discours s'est développé justement dans des milieux à la fois juifs mais aussi chrétiens et que est né un mouvement qu'on a appelé le gnosticisme. Pas grave, enfin, c'est pas très important de retenir le mot, mais même si c'est pas très très difficile, gnosticisme, c'est des gens qui ont dit, écoutez, l'évangile par lui-même est trop simpliste. Vous dites, il faut avoir la foi dans Jésus-Christ qui est mort, qui est ressuscité, et puis vous allez être transformé, puis le Saint-Esprit va habiter parmi vous, vous allez être sanctifié. Tout ça, c'est trop facile. Ça c'est pour les gens élémentaires. Ça, c'est l'enseignement rudimentaire. Il y a un enseignement plus important pour ceux qui ont la connaissance. Le mot gnosticisme vient de gnosis, qui est le mot connaissance en grec. Il y a les gens qui ont la connaissance. Et ces gens-là, il faut ajouter. Il leur faut ajouter, il leur faut s'élever par rapport à ces enseignements élémentaires. Et donc, il y a un tas de doctrines. Aujourd'hui, on en rit, comme l'apôtre Paul le faisait, parce que c'est des choses qui n'ont aucun fondement, qui n'ont aucune consistance. Mais énormément d'églises, énormément de gens les ont suivis à la fin du 1er siècle et au début du 2e siècle. Enfin, à un certain moment, on pensait que le gnosticisme, le mouvement gnostique, allait devenir tout à fait universel. Le gnosticisme n'existe pas de nos jours, ou très très peu. Ça n'est pas la connaissance, ça n'est pas la dimension intellectuelle, un petit peu de l'évangile qui est prisée ou qui est mise de l'avant. Par contre, il y a autre chose qui semble le remplacer. Il y a ce qu'on appelle l'amour, l'intérêt personnel pour les gens, la pratique, la doctrine, il faut la rejeter. Aujourd'hui, on a fait un retournement complet. On dit la doctrine, ça, c'est pas important. La doctrine est sèche. Il faut pas passer du temps à couper les cheveux en quatre. Non, c'est la réalité de Dieu présent au milieu de nous qui est importante. Et c'est l'amour que nous pouvons avoir les uns et les autres qui est important. La tragédie de ce qui est dit comme ça, c'est qu'il y a effectivement une demi-vérité là-dedans. Bien sûr que l'amour est important. Bien sûr que nos relations d'affection, d'intérêt, d'aide fraternelle les uns à l'égard des autres sont importantes et au centre de la foi chrétienne. Le mensonge, c'est de les détacher de la doctrine. Le mensonge, c'est de dire la doctrine n'est pas importante. Il faut s'en débarrasser ou il faut la laisser dans un petit coin et il faut mettre tout notre intérêt, toute notre attention là-dedans. Et l'apôtre Paul dit non, vous ne pouvez pas faire ça. Et ça, c'est un mensonge qui va simplement vous mener jusqu'au pacte avec Satan et s'il n'y a pas de correction, jusqu'en enfer. Il n'y a pas de relation fraternelle et d'expression de l'amour sans la vérité de Dieu. Il dit il faut revenir donc à la vérité biblique, à la vérité de Dieu. Et c'est cela qui va nous aider à gérer nos relations les uns avec les autres. Donc il lui dit, comme je t'ai encouragé en partant pour la Macédoine, demeure à Éphèse afin de commander à ceux qui propagent d'autres enseignements et de s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin qui favorisent, encore une fois, j'ai envie de dire la parlotte, plutôt que l'intendance de Dieu, plutôt que l'économie de la foi, il faut qu'ils arrêtent et il faut que tu le fasses par un enseignement positif. Il faut que tu le fasses par un enseignement positif. C'est ce qu'on a au verset 18. Il faut que tu mènes le bon combat, le beau combat, toi-même, en prêchant l'évangile que tu as reçu. Alors, comment ça se passe? Comment la proclamation de la vérité et la vie croyante, comment sont-elles liées? Le message négatif n'est pas suffisant. Il ne suffit pas simplement de dire il faut arrêter de prêcher un faux évangile, il faut arrêter les faux enseignements. Au contraire, il faut les remplacer par un enseignement positif. Et l'apôtre Paul dit, quand on le fait, il y a une vraie vie spirituelle qui va se développer. C'est ce que nous avons dans les versets 4 et 5. Il introduit à la fin du verset 4 l'expression l'économie
de la foi que Dieu a introduite. C'est une expression difficile à traduire et encore plus difficile à comprendre. Je crois qu'il veut parler de l'économie de l'Évangile. Il est en train de dire l'économie de la foi, c'est qu'est-ce que Jésus nous a apporté. Ben, Jésus nous a apporté un changement radical par rapport à l'ancienne économie. Maintenant, nous entrons en relation avec Dieu par la foi en Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur. Et nous sommes constitués Église par l'expression de notre foi, parce que nous exprimons notre foi, c'est-à-dire notre loyauté, notre confiance à l'égard de Dieu en Jésus-Christ. Ça, c'est l'économie de la foi. L'apôtre Paul dit, ben, le but de cette économie et de l'injonction du commandement que je te donne, écoutez bien, aucune séparation entre la doctrine, l'amour et la vie de foi. Verset 5, le but de cette injonction, c'est l'amour qui vient d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère ou sans hypocrisie. Vous voyez, on ne peut pas séparer. Quand la vérité biblique est enseignée droitement, fidèlement, quand l'Esprit de Dieu la communique aux frères et sœurs, et quand elle est reçue proprement, bien sûr que c'est l'amour pour Dieu et l'amour pour les frères et sœurs qui va s'en suivre. Bien sûr que c'est l'amour pour Dieu qui va s'accroître, être plus purifié, être plus fort, et l'amour et la consécration, les sacrifices que nous pouvons avoir les uns à l'égard des autres. C'est ce que Paul dit tout à fait au début de cette épître. Le but donc de ce commandement qu'il donne, de la proclamation que Timothée est appelé à faire, c'est de faire naître, de faire grandir, de faire éclore cet amour. Mais ce n'est pas simplement une réalité, encore une fois, générale, galvaudée, qu'on peut équivaloir avec des émotions. C'est quelque chose de réel, de tangible, qui provoque des actions. Et il dit, cet amour, il est très, très caractérisé ici. Il provient d'un cœur pur. Et je vais faire un bref commentaire sur ces éléments-là pour nous les appliquer, je crois, de façon directe à nous-mêmes, d'une bonne conscience et d'une foi qui est, encore une fois, on traduit sincère ou sans hypocrisie. À quoi Paul fait-il référence quand il parle de l'amour ? Alors là, j'aimerais simplement nous lire, nous rappeler, Le plus bel hymne à l'amour qui ait probablement jamais été rédigé dans l'histoire humaine et qui a été rédigé par Paul lui-même. Et peut-être qu'un antidote pour nous serait, pas moi, une fois par semaine, une fois par deux semaines, de relire ce texte. Alors vous aurez pensé directement à 1 Corinthiens chapitre 13, où, envoyé donc à l'église de Corinthe, où la situation est une situation de division, où les gens se réclament dans une même église, les uns se réclament d'un leader et les autres d'un autre leader. J'en dis, moi je suis de Pierre, et moi je suis de Paul, et moi je suis de Barnabas, et moi je suis d'Apollos, et d'autres encore dire, ah ben moi je suis du Christ. Je ne veux pas du tout d'intermédiaire. Et l'apôtre Paul dit, vous n'avez rien compris. Parce que nous sommes tous des serviteurs, et nous sommes là au service du Seigneur Jésus-Christ, et nous travaillons en commun, pour vous. Et puis il dit maintenant, au-delà de la connaissance des langues, parce qu'à Corinthe, beaucoup prétendaient être des super spirituels parce qu'ils parlaient directement à Dieu dans des langues extraordinaires. Il dit, je vais vous donner le secret. Et il le dit, il le fait dans 1 Corinthiens chapitre 13. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis une pièce de bronze qui résonne ou une cymbale qui retentit. Quand j'aurai la capacité de prophétiser la science de tous les mystères et toute la connaissance, et quand j'aurai même toute la foi qui transporte les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Quand je distribuerai tous mes biens, quand même je livrerai mon corps pour en tirer fierté, je livrerai mon corps, je donnerai mon corps en sacrifice, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient, l'amour est bon, il n'a pas de passion jalouse. L'amour ne se vante pas, il ne se gonfle pas d'orgueil, il ne fait rien d'inconvenant. Il ne cherche pas son propre intérêt,
il ne s'irrite pas, il ne tient pas compte du mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il endure tout. L'amour ne succombe jamais. Les messages prophétiques, ils seront abolis. Les langues, elles cesseront. La connaissance, elle sera abolie. Car c'est partiellement que nous connaissons, c'est partiellement que nous parlons, que nous prophétisons, mais quand viendra l'accomplissement, ce qui est partiel sera aboli. Lorsque j'étais tout petit, je parlais comme un tout petit, je pensais comme un tout petit, je raisonnais comme un tout petit. Lorsque je suis devenu un homme, j'ai aboli ce qui était propre au tout petit. Aujourd'hui, nous voyons comme dans un miroir, d'une manière confuse, mais alors ce sera face à face. Aujourd'hui, je connais partiellement, mais alors je connaîtrai comme je suis connu. Et maintenant, trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour, mais c'est l'amour qui est le plus grand. Donc, quand Paul écrit à Timothée, en parlant de l'amour, eh bien, il parle de cet amour qu'il a décrit dans cette lettre qu'il avait déjà rédigée et envoyée aux Corinthiens. Et il dit à Timothée, ce que tu vas chercher à faire naître et à faire grandir chez les croyants d'Éphèse, par ta proclamation de l'Évangile, par ton enseignement, par ton exemple, par la manifestation de ton affection pour eux, mais ce que tu vas chercher à grandir parmi eux, par ton ministère, c'est cet amour-là, un amour qui vient d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Un cœur pur, le cœur, pour la Bible, c'est le centre de ce que nous sommes. C'est vraiment le centre à la fois intellectuel, le centre de la volonté, le centre des émotions qui définit ce que nous sommes. Vous avez eu ces moments un petit peu extraordinaires, un peu bénis, où vous avez l'impression que vous êtes vraiment dans la présence de Dieu et que vous êtes capable de lui parler, de louer, de l'écouter. Et vous avez l'impression parfois que vous êtes pleinement avec lui. Enfin, vous vous dites, là c'est, je suis proche du ciel. Hein, l'Esprit de Dieu est avec moi, l'intelligence est éveillée. Les sentiments et les émotions sont parfaitement positifs à l'égard de Dieu et des frères et sœurs. Ça, c'est le cœur qui parle. Le cœur, dit l'apôtre Paul, doit être pur et constamment purifié. C'est-à-dire, il faut que le péché en soit exclu. Il faut que, comme on l'a lu dans 1 Corinthiens chapitre 13, que tout ce qui va à l'encontre de Dieu, de la volonté de Dieu, de la parole de Dieu, soit progressivement enlevé. L'apôtre Paul ne fait rien d'autre que répéter ce que le Seigneur dit dans le serment sur la montagne. Ce sont ceux et celles qui ont le cœur pur qui verront Dieu, qui seront dans la présence de Dieu et qui seront bénis par Dieu. Et donc nous devons faire attention. Ça, c'est notre part comme croyants, comme croyants. Le Saint-Esprit, bien sûr, travaille. Bien sûr, nous sommes mus par la vérité biblique, mais il faut qu'on fasse tout notre effort pour se débarrasser de toutes les impuretés, de toutes les saletés spirituelles qui peuvent encombrer notre cœur, qui peuvent faire obstacle à notre relation avec Dieu et à notre relation les uns avec les autres. Et parfois, il faut faire l'effort de ne pas laisser entrer dans le cœur des mauvaises pensées, de mauvaises images, de mauvais récits, un tas de choses qu'il serait très difficile d'enlever par la suite. Un cœur pur, d'un cœur pur et purifié, constamment purifié par le Saint-Esprit, il y a cet amour qui provient. L'amour pour Dieu et pour le prochain. La Bible ne sépare jamais. On peut distinguer entre les deux, bien sûr, mais on ne peut jamais dire, moi j'ai un amour pour Dieu, mais le prochain, je m'en moque. Et on ne peut jamais dire, moi j'aime mon prochain, Dieu c'est trop loin. Ça. Non, l'amour pour Dieu vient d'abord, et puis il est suivi normalement, logiquement, selon les lois spirituelles, il est suivi par l'amour pour le prochain. Deuxièmement, cet amour, dit l'apôtre Paul, ça c'est assez nouveau, je dois dire, mais c'est très présent dans les épîtres pastorales et c'est présent dans le témoignage de Paul ailleurs, d'une bonne conscience. Une bonne conscience, c'est quoi la conscience et pourquoi elle est bonne? Il faut qu'elle soit bonne ici. Il peut y avoir une mauvaise conscience. Les mauvais leaders ont une mauvaise conscience, dit Paul. Et il y a certains dont la conscience est tellement mauvaise
qu'elle devient comme scellée, ce qui fait que nous n'avons plus aucune sensibilité à l'égard de Dieu. Dieu nous parle, nous entendons sa parole, et vraiment ça flotte au-dessus de notre tête, ça passe à gauche, à droite, ça ne nous atteint pas. Leur conscience, dit l'apôtre Paul, est fermée, scellée hein, au rouge, au fer rouge. Donc il n'y a rien qui y pénètre. La bonne conscience, c'est la conscience qui accueille ce que Dieu dit, qui est sensible. Je crois qu'on peut la définir comme ça. C'est le sens d'être dans la présence de Dieu sans aucun empêchement. C'est le sens de dire, Seigneur, tu le sais, je ne te cache rien. Tu peux me parler directement, mes problèmes, tu les connais. Je ne lève pas un bouclier à gauche, devant moi, derrière moi, à gauche, à droite, pour me protéger de toi. Quand l'apôtre Paul donne son témoignage dans le livre des Actes, il dit, je parle en toute conscience devant vous. Dieu m'est témoin. Ça, c'est ce que nous devons rechercher. Une bonne conscience devant Dieu, c'est la capacité de dire, j'ai des faiblesses, j'ai des péchés dont je dois être pardonné, j'ai des manquements, mais devant Dieu, je suis moi-même. C'est ce que je suis, il n'y a aucune cachotterie, il n'y a aucun faux semblant. Et je veux que Dieu m'atteigne directement. Et quand je parle aux frères et sœurs, c'est avec une bonne conscience. La conscience que je suis, les théologiens utilisent l'expression « coram Deo ». Je suis dans la présence de Dieu. Je suis conscient que Dieu est là, présent. Et donc, si je dis des mensonges, s'il y a des cachotteries, si je transforme la vérité, je peux tromper les gens, mais je ne peux pas tromper Dieu. Et donc, autant ne pas vouloir tromper les gens alors. Parce que Dieu, de toute façon, le voit et est parfaitement conscient de ce qui a été fait. Une bonne conscience, qui est le contraire d'une mauvaise conscience et qui nous permet d'être tendre, d'être réceptif à l'égard de la parole de Dieu. Vous avez noté que même dans nos relations personnelles, ce n'est pas simplement à l'égard de Dieu, que parfois dans nos relations personnelles, on est dur dans la réception. On ne s'écoute pas les uns les autres. On pense qu'il y a justement peut-être un manque de sincérité ou un manque d'intérêt. Et parfois, ça se transporte à l'égard de Dieu lui-même. On écoute sa parole, c'est des paroles qui sont profondément révolutionnaires, c'est des paroles qui sont d'une grandeur et d'une grâce énorme qui nous parle du cœur de Dieu, de l'attitude de Dieu, de l'œuvre de Dieu pour nous. Et vraiment, ça nous laisse froid. Ça, c'est la conscience qui peut être s'endurcie. Voilà un autre mot. La conscience qui est en train de se murer comme ça et de n'être plus sensible à l'égard de Dieu. Je crois qu'il faut faire très, très attention pour que nous soyons toujours sensibles à ce que l'Esprit de Dieu nous dit. Et pour le faire, ben garder cette bonne conscience, garder une conscience, encore une fois, sensible, qui réagit vite. Dieu n'a pas besoin de prendre un marteau pour nous rappeler à l'ordre. Il est capable de nous parler dans des souffles très légers, dans des murmures, à la fois en lisant la parole de Dieu, mais aussi dans nos relations, encore une fois, les uns à l'égard des autres. Et puis, troisièmement, la foi doit être sincère, disent les traductions, et d'autres disent sans hypocrisie. Effectivement, les deux traductions se justifient. Le mot sincère est un mot plutôt qui est exprimé de façon négative. C'est dire quelqu'un qui n'est pas hypocrite, mais attention, il faut savoir ce qu'est un hypocrite dans les temps anciens. Le mot hypocrite désignait d'abord l'acteur. Les Grecs avaient des pièces de théâtre, etc. Puis ils avaient des acteurs, et ces acteurs portaient des masques pour jouer des rôles. Et l'acteur qui portait un masque pour jouer un rôle, on l'appelait une hypocritesse. Donc un hypocrite, pas dans le sens d'aujourd'hui, je le répète. Mais qu'est-ce qu'un acteur fait? Eh bien, il a un double jeu. Il y a lui réellement, et puis il y a l'acte qu'il fait. Et graduellement, le sens de l'acteur est devenu quelqu'un qui a un autre visage, dans le sens métaphorique. Quelqu'un qui ne se montre pas tel qu'il est. Et puis, c'est le troisième sens, c'est quelqu'un qui n'est pas sincère.
C'est quelqu'un donc qui ment sur lui-même vis-à-vis des autres. Et l'apôtre Paul dit, ben ça ne marchera pas. si vous avez été les bénéficiaires de la grâce, de la compassion et du shalom de Dieu, votre foi doit être sans hypocrisie, c'est-à-dire sans cachotterie, sans prétention, sans double visage. Votre foi, ce que vous vivez comme foi doit être ce que vous exprimez. Dans les deux sens à la fois, c'est-à-dire que vous ne devez pas la cacher quand vous êtes en danger, quand vous risquez de souffrir. Le croyant qui cache sa foi parce qu'il risque de souffrir, c'est un hypocrite, selon cette définition de l'hypocrite. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui n'est pas sincère et c'est quelqu'un qui dit, eh ben, je dois mettre un autre visage devant moi parce que sinon je risque de souffrir pour ma foi personnelle. Mais parfois, il y a aussi l'inverse. Il y a ceux qui en font trop et qui veulent exhiber une foi, une confiance, une relation à Dieu qu'ils n'ont pas. Et l'apôtre Paul condamne cela également. S'il y a une vie de l'agapé, il faut que cette vie de l'agapé provienne d'un cœur que Dieu constamment purifie, d'une conscience qui est tout le temps sensible à l'action du Saint-Esprit et de sa parole, et d'une foi qui est sincère, qui est droite, qui est vraie, et qui ne veut pas se cacher, qui n'a aucune hypocrisie. L'apôtre Paul dit, c'est comme ça que la révolution dans l'Église et dans le monde commence. Elle commence avec des individus qui manifestent cet amour suite à l'enseignement positif, à l'enseignement de l'Évangile, à la doctrine qu'ils ont reçue et qu'ils doivent mettre en action. Et puis, la deuxième pas, c'est que ça va se généraliser. Ça va se généraliser pour que l'Église puisse continuer à se construire, à être bâtie, à grandir, et que ce témoignage puisse continuer d'aller à l'extérieur. Je prie que ce soit vraiment ce que le Seigneur nous confirme pour nous. Beaucoup de ces choses sont des choses connues, elles ne sont pas du tout nouvelles. Et je prie pour notre Église que ces choses soient confirmées et profondément ancrées dans notre cœur. Que nous puissions être des hommes et des femmes qui veulent recevoir ardemment, patiemment, dans la persévérance, l'enseignement de la parole de Dieu. Cet enseignement qui, encore une fois, que le Saint-Esprit porte et qu'il plante et fait croître dans nos cœurs, et que comme résultat, nous puissions avoir cette réalité révolutionnaire hein, pour notre temps, qui est cet amour tel qu'il est décrit dans 1 Corinthiens 13, l'amour qui est décrit ailleurs, l'amour pour Dieu, un amour vraiment qui est passionnément tourné vers ce Dieu qui a tant fait pour nous, le Dieu qui est venu souffrir et qui nous a acquis au prix de sa vie, au prix de son sang, comme le dit Actes chapitre 20. Et que cet amour soit aussi pour le prochain, pour les frères et sœurs, parce que ce sont nos prochains les plus immédiats, ceux que nous côtoyons le plus, qui puissent se manifester concrètement à partir d'un cœur purifié, à partir d'une conscience bonne, claire, droite devant Dieu, et d'une foi sans aucune hypocrisie. Que le Seigneur nous aide à aller tout à fait dans cette direction pour sa gloire, et qu'il vous bénisse. Amen. Levons-nous pour le dernier chant. Merci beaucoup. Je vous invite à vous lever pour le dernier chant. Il nous dit, je sais qu'en lui j'ai la vie. Il m'a sauvé par son amour. Je ne sais pourquoi dans sa grâce, Jésus m'a tant aimé. Pourquoi?
Avant de terminer le culte, nous allons regarder ensemble nos activités. Hélène, tu peux me ramener mon iPad, s'il vous plaît. Ben, nous avons des activités récurrentes, comme notre cours de la faculté, tous les jeudis à 6h30. On a commencé avec le premier cours dimanche et c'était jeudi dernier. Et c'était vraiment une bénédiction de pouvoir participer. Et je remercie vraiment le Seigneur parce que nous avions eu beaucoup de membres de notre Église qui ont pu assister à ce cours. Et je crois que le Seigneur va vraiment leur apporter tout ce qu'il faut pour pouvoir grandir dans sa parole. Le cours, c'est l'éthique chrétienne qui est apportée, qui est donnée par notre frère Amar. Nous avons aussi nos groupes vie qui ont repris. Le groupe vie des dames qui se réunit les mercredis à l'église. Lundi à l'église, il y a le groupe de Chantal et Jean qui sont chez eux. J'arrive pas à les lire. J'ai mis mes lunettes, je ne vois pas. Je l'enlève, je ne vois pas plus. Alors, je vous encourage à regarder sur le tableau parce que c'est indiqué. Mais il y a aussi je sais aussi qu'il y a le groupe vie des jeunes adultes et il y a aussi le groupe des hommes. Nous avons aussi quelques annonces un peu plus spéciales. Par exemple, nous avons eu le mariage, nous rendons grâce au Seigneur pour le mariage de Josué et de Jasmine qui ont eu lieu hier après-midi ici. Josué, c'est un jeune homme qui est arrivé parmi nous à l'âge de 9 ans et qui a fait un témoignage extraordinaire et depuis il a continué dans la foi. C'est le fils de Jésus que tout le monde connaît ici. Et nous avions eu son mariage. Donc c'était vraiment une grande bénédiction de voir ce jeune homme évoluer de la sorte. Prions pour le couple, parce que aussi c'est un nouveau départ pour eux. Nous avons aussi des cas de prière, Seigneur. Nous réclamons souvent la prière pour nos membres dans l'Église. Parce que nous croyons fermement que la prière peut faire une différence. Nous pensons à notre frère Réal qui
traverse quand même une période assez instable où sa digestion n'est pas stable, il n'est pas capable de digérer, donc c'est compliqué pour la famille, surtout après 7 semaines où sa femme passe du temps à l'hôpital. Donc nous vous demandons de prier spécialement pour Lise et pour tout le reste de la famille. Nous avons aussi un des anciens membres de notre église que nous gardons quand même bon contact, dans la personne de Manon et Eric. Eric, son père, passe par une période très difficile et cela affecte toute la famille. Donc nous vous demandons de prier pour eux. Donc c'est un peu là nos annonces. Et nous prions pour l'offrande. Bon Père Céleste, merci de ce que tu pourvois. Tu pourvois d'une façon au-delà de nos attentes à nos besoins. Et nous voulons par obéissance, Seigneur, avec joie, apporter une partie de ce que nous avons reçu de toi à notre Église, à l'œuvre que tu fais à Pointe-aux-Trembles et au-delà de Pointe-aux-Trembles, Seigneur. Merci de ce que tu es si généreux envers nous, Seigneur, que l'Esprit nous conduit à y être autant pour ton œuvre, Seigneur. Nous te demandons, Seigneur, que ceux qui administrent cet argent puissent le faire avec discernement et pour ta gloire. Que ton nom soit loué, que ton nom soit béni. Amen. Pour la bénédiction, je vais vous lire un passage dans 1 Pierre 1, à partir du verset 3 jusqu'au verset 5, qui se dit « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêts à être révélés dans les derniers temps. Que les promesses de Dieu s'accomplissent dans votre vie. Bonne semaine. Et bon dimanche. Amen.